sur la route du Danube, c'est un voyage de 4000 km à rebrousse-poil de l'Europe. L'idée, c'était de caresser l'Europe à rebrousse-poil. Donc, c'est un voyage qui part d'Odessa et qui se termine à Strasbourg, 48 jours, 4000 km. Là, l'idée, c'était de croiser trois regards différents. Celui du géographe, celui de l'écrivain et puis aussi celui du cycliste, hein, puisque c'est un voyage que j'ai fait à vélo. Moi, j'ai fait de la compétition cycliste quand j'étais ado. Donc j'ai essayé à la fois de croiser ces trois regards. Le Danube n'est pas le plus long fleuve d'Europe, puisque le plus long fleuve d'Europe, c'est la Volga, sauf que la Volga ne quitte jamais la Russie. Elle commence en Russie, elle se termine en Russie, dans la mer Caspienne. Le Danube, lui, traverse aujourd'hui 10 pays d'Europe. Donc c'est un fleuve de 2888 km. C'est celui qui traverse le plus grand nombre de pays de tous les fleuves du monde. Et c'est un fleuve qui est un résumé de l'Europe. Et moi, j'avais inventé quand j'étais gamin, à l'âge de 9 ans, j'ai inventé un pays imaginaire qui se situait aux sources du Danube. Donc l'idée aussi pour moi, c'était de revenir aux sources de ce pays imaginaire qui s'appelait la Zintari et que j'avais inventé le jour de la chute du mur de Berlin, donc le 9 novembre 89. De toute manière, tous les livres sont politiques. Même quand vous ne faites pas de la politique, vous en faites sans le savoir. Pour moi, qui suis géographe, je considère que la géopolitique, elle est partout. Et les premières personnes qui vous disent « Ah, mais moi, je ne fais pas de politique », en principe, ils ont déjà un avis politique sur les choses. Je voulais simplement, dans ce livre, parler, oui, en effet, des gens ordinaires. C'est ce que je dis à un moment, c'est l'Europe qu'on a traversée, c'est une Europe tissé de rivières et de gens ordinaires. Et ce sont les gens que nous avons rencontrés tout au long du voyage et qui nous ont confié leurs récits, qui nous ont confié leurs anecdotes, qui nous ont parlé de leur vie et qui nous ont touchés énormément.